Bonjour, je m'appelle Serena, j'ai 30 ans et je suis illustratrice et graphiste indépendante. Bonjour Serena, bienvenue pour cette Orléanais de la semaine. Bonjour. Bonjour. Eh bien, première question, quelles sont tes sorties sur Orléans et son agglomération ? Alors, les sorties que j'aime bien faire, c'est surtout la Fleur d'Amande. C'est un café-pâtisserie orientale rue de Bourgogne. Et ce que j'aime particulièrement, c'est que ça change un peu du café traditionnel. On a le petit thé à la menthe et les petites pâtisseries orientales. Et ça fait voyager pendant une petite heure ou deux. C'est super agréable. Est-ce que tu as eu un coup de cœur récemment, un coup de cœur sorti, un coup de cœur culturel sur Orléans ou son agglomération ? Alors le coup de cœur que j'ai eu, c'est pour un restaurant que j'ai fait il y a quelques semaines, ça s'appelle l'Ardoise. C'est rue de la Bretonnerie, en face au tribunal. Et c'est un restaurant à la base où je serais jamais allée parce que j'imaginais quelque chose de très cuisine française, traditionnelle, un peu prout-prout. Et en fait, finalement, c'était délicieux, plein de saveurs originales, d'une belle présentation. Alors ça coûte un petit peu cher, mais pour le coup, on en a pour son argent. C'est-à-dire que c'est vraiment une vraie sortie au grand sens du terme. Ça pourrait pas se faire un cadeau. Et vraiment, c'est un super souvenir. Donc j'espère pouvoir y retourner un jour. D'accord, ça met en appétit. Voilà. Est-ce que tu as un bon tuyau à faire partager à tous les gens qui te regardent ? Alors, mon bon tuyau, en fait, ce sont les cours de dessin que je lance pour la première fois cette année au sein de l'association ImagineArt. Ouais. Donc ça s'appelle l'Illustratelier, ça commence la semaine prochaine. C'est des cours qui sont ouverts à tous à partir de 12 ans. Donc, la semaine prochaine, s'il y a une date précise ? Oui, alors ça commence le 29 septembre, pour les ados et donc le 30 pour les adultes. Ouais. Pour moi, le but, en fait, c'est de pouvoir donner les moyens techniques et les bases essentielles de dessin pour que chacun puisse exprimer sa créativité et pouvoir faire ce qui lui plaît ensuite artistiquement. D'accord. Et ça se passe où, tout ça ? Donc, ça se passe au 108 rue de Bourgogne, à la Maison des Assauts. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. C'est moi. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette Orléanais de la semaine. Bonne semaine. Bonne semaine. Right. Bah.